Allez-vous? Trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. J'ai posté le dernier vlog ce week-end et vos petits retours là m'ont donné trop envie d'enchaîner la semaine en filmant une vidéo. Vos commentaires étaient trop encourageants, ça m'a fait trop plaisir. Je pensais pas, j'avais même hésité à poster le dernier vlog parce que je le trouvais très décousu comme je vous ai dit et très simple. Mais au final, c'est ce que vous aimez et c'est ce qui vous relaxe. Donc c'est parfait, on va continuer comme ça. Aujourd'hui on est mardi et la journée elle commence trop bien parce que j'ai un cours de pilates. Hier soir j'ai fait yoga, c'était pas facile et là j'enchaîne avec pilates. Je sens que mes muscles vont être en PLS. C'est une prof que j'avais découvert chez Simone, que j'adore, qui m'a envoyé un petit message sur Insta pour me proposer de tester son nouveau concept de pilates. C'est dans le 3e arrondissement et elle vient d'ouvrir son lieu, donc j'ai hâte de le découvrir et je vais faire un cours particulier avec elle. J'ai jamais fait un cours particulier de pilates. Je sens qu'on va morfler. J'ai mis une tenue que j'adore de sport. C'est une tenue Princesse Tam Tam qui est mais tellement confortable. Alors il y a très très peu de maintien dans la brassière, mais je me dis que c'est parfait pour le pilates. Genre les bretelles, elles sont très très fines comme ça. Et est-ce que vous voyez bien la couleur? Parce que c'est une sorte de bleu, vert, canard un peu. J'ai plusieurs petits trucs de chez eux et c'est très confort. Voilà. Comme d'hab, j'ai trop peur d'être en retard à mes rendez-vous et tout. Donc je suis toujours en avance. Je balade un peu dans le quartier qui est beaucoup trop beau. Le chemin là à vélo, ça faisait trop plaisir. Nous sommes lundi, j'ai des cernes pas possible avec cette lumière, mais je suis pas fatiguée du tout, tout va bien. Je me suis réveillée aujourd'hui boostée, déjà parce que j'ai passé un super week-end à Rennes, là je suis encore chez mon copain. Mais je prends le train tout à l'heure à 16h pour passer la semaine à Paris et je reviendrai le week-end prochain. Il a fait trop beau hier, tout l'après-midi, toute la soirée on était à la plage, on a trop profité là des derniers moments. On est en septembre, ça y est, faut profiter de chaque instant de soleil. Du coup c'est forcément une bonne semaine qui commence et j'ai été boostée ce matin parce que mon mec se réveille et me dit que dans 2 mois pile, on part
en voyage. Le 4 novembre, on part. C'est le voyage qu'on préparait un peu dans le dernier vlog. Je vous ai dit que j'avais hâte de vous en parler. Et franchement, pourquoi est-ce que je vous en parlerai pas maintenant? Vous savez où je pars. Là, vous commencez à vous douter où je pars. Pourquoi je suis excitée comme ça et pourquoi j'ai des étoiles dans les yeux? C'est parce que je retourne à La Réunion. Pile poil, un an après. C'est reparti, c'était sûr. Et ce qui est trop chouette, c'est que cette fois, on sera deux. Et en fait, ce qui est chouette avec mon mec, c'est qu'on est partis tous les deux, moi en novembre et lui en genre fin novembre, début décembre de l'année dernière. Et quand on est tous les deux rentrés de La Réunion, on s'est dit, dans un an, on va y aller ensemble. Alors que vraiment, ça faisait 2 semaines qu'on se connaissait. Mais voilà, on est un an plus tard et on va refaire un peu les spots qu'on a adoré faire seul. Mais là, on va les faire ensemble. Là, ça y est, on a tout booké. On fait pas que La Réunion, mais en tout cas, on part 3 semaines et bien sûr que je vais vlogger. Tellement hâte du mois de novembre et ça booste trop là d'avoir ça en tête, forcément. Donc voilà, j'ai tellement hâte de vous emmener avec nous du coup, pas qu'avec moi. Ce sera pas tout à fait pareil puisque là on sera deux et je sais pas trop comment je vais m'organiser pour vlogger tout ça. Mais en tout cas, j'ai tellement hâte de vous partager tout. Et les réunionnais, j'ai hâte de vous voir et de repartir à l'aventure dans vos paysages de dingo et dans votre ambiance de dingo. Bon, je viens de rentrer, il y a genre 30 minutes du train, je me suis lissé les cheveux et j'ai enfilé une tenue approximative. Je suis invitée à un événement que Anna Herbière organise. Ça va être très cool, mais alors elle a dit que le thème c'était Sunset Chill. Va savoir ce que ça veut dire. Mais j'ai sorti des pièces que j'avais envie de porter. En tout cas là, chez moi, on est sur un thème talon haut et mini jupe. Mini. Et haut. Je me suis mise contre mon lavabo qui était mouillé. Donc voilà. J'ai mis mon petit haut dos nu de chez Le Capsol. Cette jupe Another Stories. Mon nouveau petit sac que j'ai mis ce matin de chez Another Stories aussi. Et alors mes chaussures que je n'ai pas portées de l'été. J'attendais d'avoir une occasion parce qu'elles sont quand même énormes. Et très peu portables en vrai. Voilà. Très peu de tissu. Vais-je être à l'aise? Probablement pas. Mais du coup je vais prendre des claquettes pour y aller. Et j'enfilerai les talons au dernier moment. Stratégie en cours d'application. Sors d'un cours de yoga chez Yush comme d'habitude. En 2 ans que j'ai commencé le yoga un peu sérieux, je n'ai jamais autant transpiré de ma vie. C'est-à-dire que là, mon cycliste, c'est comme si c'était une combinaison de plongée et je viens de sortir de l'eau. C'était incroyable. Les cours avec Hélène, la fondatrice de Yush, font partie des meilleurs. Voilà, je me suis préparée ce matin pour vous parce que j'ai déjà fait le montage là du vlog que vous venez de voir et franchement, il y a du laisser aller. Aïe, j'ai un truc dans la lentille. Je me suis dit que l'année dernière, à peu près à la même période, je crois que c'était en octobre, j'avais fait une petite FAQ de rentrée. J'ai vu que sur Insta vous aviez plein de questions, donc c'est parti, j'en ai sélectionné quelques-unes. Quels sont tes projets pour cette année? Merci pour ton contenu qui rend heureux. Déjà, adorable, merci beaucoup.
Alors déjà, moi, il faut savoir un truc, c'est que je suis pas une meuf à projet. Ce terme m'angoisse, parce que j'ai l'impression qu'il faut toujours avoir un truc de prévu, notamment professionnel, sinon tu as raté ta vie. Moi, mon projet, c'est vivre. En vrai, dans mon activité d'influenceuse, j'ai pas 1500 projets de prévu, si ce n'est continuer à être active sur Insta, à être active sur YouTube. Là, ça fait un an à peu près que j'ai repris YouTube un peu régulièrement. C'est un des trucs qui me rend le plus heureuse et dans lequel je prends le plus de plaisir. Donc ça va être un gros focus. Lié à ça, va y avoir des voyages. Voyager un max en train, réserver l'avion pour des gros voyages comme en novembre. Un gros projet, c'est la Réunion. L'année prochaine, il y aura sûrement une co-création qui va arriver. Et voilà. Dans la même catégorie, quels sont tes prochains objectifs slash projets sportifs? Là, j'ai repris le yoga à fond, j'essaie d'y aller un peu plus régulièrement. J'arrive à y aller 2 ou 3 fois par semaine, donc je suis trop contente. En yoga, j'aimerais beaucoup continuer à progresser. En course, la fin octobre, je crois que je vous l'avais dit, je fais la course Marseille-Cassis. C'est une grosse course de 20 km avec du dénivelé, du coup... je suis pas du tout préparée, mais on va la faire, on va réussir. J'aimerais trop refaire le semi en mars. Refaire des 10K parce que j'ai adoré celui en juillet et j'aimerais beaucoup me muscler. Voilà mes objectifs sportifs. Est-ce que t'as plus confiance en toi maintenant que quand t'avais 20 ans? Oh, mais tellement! En même temps, c'était il y a 7 ans. Mais je me rappelle très bien de comment j'étais. J'étais du père. J'aurais tellement aimé avoir la confiance que j'ai acquis aujourd'hui à 20 ans. Ça aurait été trop chouette. J'aurais dit oui à plein de trucs, j'aurais dit non à plein de trucs, je me serais affirmée. Non, on peut pas revenir en arrière. Donc faut accepter qu'on était un peu instable. Non, franchement, aujourd'hui, je suis trop fière du travail que j'ai fait sur moi. Ouais, puis juste la maturité, tout ça, on voit tellement les choses différemment. Merci la vie. Merci la vie, j'ai pris confiance en moi. Mais par contre, c'est un travail qui continue tous les jours. Je perds un peu parfois les progrès que j'ai fait, je le sens. Petite perte d'estime de soi, petit truc. Je suis en mode... Allez, on se remet dans le droit chemin. À 20 ans, tu te préoccupais beaucoup trop de ce que les autres pensaient. N'oublie pas, tu te projettes vivre encore longtemps sur Paris. Alors moi, je l'ai toujours dit, je finirai pas mes jours à Paris. J'ai grandi dans la campagne, j'étais une enfant de la cambrousse, de la forêt. Je trouve que mes racines reviennent progressivement. J'adore être à Paris pour plein de raisons. D'ailleurs, il y a une question, c'est les plus et les moins de vivre à Paris. Paris est une ville extraordinaire, extraordinairement belle. Il y a une énergie que tu trouves qu'à Paris. Moi qui adore tester de nouveaux trucs à Paris, bah tu peux pas t'ennuyer de ce côté-là. Mais par contre... T'as aussi une énergie que je trouve qu'à Paris qui est la pression et le bruit et le manque de nature quoi. Voilà, et tout le côté parisien, un peu du toujours plus, un peu show-off, un peu truc, ça j'en ai rien à faire. Pour résumer, je pense faire encore quelques années et ensuite, j'irai sûrement vivre seule dans une grotte. Est-ce que t'as toujours envie de voyager solo même si tu es en couple? Et il y a une autre question, c'est un prochain voyage solo de prévu. Bah là, pendant quelques mois, j'avoue que j'ai pas eu l'occasion et j'ai pas forcément eu l'envie de voyager solo vu que je suis partie 3 semaines fin d'année dernière. J'avais rechargé mes batteries de solitude et depuis ça me manquait pas trop. Et en fait, là, ça m'a repris là, il y a pas longtemps. Je me suis réimaginée la partir un peu seule quelques jours, je ne sais pas où. Et ça m'a donné envie. Du coup, peut-être que la semaine prochaine, je vais me faire 48 heures solo dans une petite capitale européenne. Et je vous en préviens sur une vidéo. Voilà, même quand je suis en couple, je me garde toujours mes petites activités solo. Vous le voyez dans mes vlogs. Je fais les restos solo, je vais au ciné solo. Je suis un électron libre. Mais les voyages, ouais, les week-ends solo, etc. Ça se présente moins puisque les week-ends, ils passent tellement vite. Vu que avec moi, on se voit principalement le week-end, vu qu'on n'est pas dans la même ville. Du coup, il reste pas forcément de temps. Mais il faut le créer, le temps. Il y a toujours le temps de faire ce qu'on a envie. Donc là... Ouais, dans 1 ou 2 semaines, je pense me booker ça. Ça peut être très cool. Comment gères-tu la relation à distance? En fait, je sais même pas si on la gère, puisque je pense qu'on triche un peu. Je me suis abonnée à TGV Max. Le principe, c'est que tu t'abonnes, tu payes 80€ par mois et parfois, t'as accès, je dis bien parfois, pas tout le temps, t'as accès à des billets à 0€ et donc qui te permet de prendre plus le train que d'habitude. Du coup, on essaie de se voir, j'avoue, toutes les semaines en ce moment. J'ai pas de conseils miracle à donner, je galère un peu comme vous. Ce qui peut aider, c'est bien comprendre comment l'autre a besoin de communiquer un peu au quotidien, prendre le temps de s'appeler, se mettre des petits objectifs, des petits projets, ça crée des petits events sympas. J'essaie de me focus un peu sur les points positifs d'être pas dans la même ville. Parfois, on peut se laisser le temps un peu de se manquer, on est content de se retrouver. Bon, ouais, c'est chiant et j'aimerais bien genre qu'ils viennent dîner chez moi ce soir, vous voyez. Mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as appris dans ton expérience de voyage solo à La Réunion? Oh, j'ai appris plein de trucs. Je pense que je suis partie en ayant besoin de me rassurer sur le fait que j'arrive à me débrouiller toute seule, ça je vous l'avais dit.
Et du coup, bah ça, c'était le plus gros truc, c'était que, en fait, j'ai besoin de personne. Et du coup, ça m'a fait trop du bien de passer beaucoup de temps seule, de savoir ce que j'aimais faire. Je pense qu'on peut toujours apprendre à se connaître un peu mieux, et voilà, partir solo, c'est vraiment un des meilleurs moyens, je pense. J'ai aussi découvert que je pouvais rencontrer facilement des gens. Au final, il y a mon quotidien aussi qui me manquait à la fin. Tu sais, souvent, t'as envie de partir, d'aller chercher genre le bonheur ailleurs, et en vrai, j'ai réalisé que la vie que je m'étais un peu bâtie, bah, elle a fini par me manquer. Ça veut dire que j'étais bien aussi dans ma vie plus simple de tous les jours, pas forcément en vadrouille, etc. Qu'est-ce que ça m'a appris d'autre ? Pendant tout le voyage, je crois que j'ai laissé mes peurs très très loin de moi. Quand on laisse ses peurs de côté, qu'on ose faire des trucs, bah, y a des choses super chouettes qui peuvent arriver. Et ça, c'était très agréable. Est-ce que tu te vois déménager en Bretagne, vu que le lifestyle te correspond plus maintenant ? Cette question, elle est revenue. Vivre en Bretagne ? Oui, pourquoi pas. Là, j'y vais très souvent, et c'est une région qui est juste magnifique. Et forcément, il y a mon amoureux. Donc pourquoi pas. En tout cas là, les coins que j'ai vus en Bretagne, déjà c'est trop beau, la nature est partout, le calme, enfin pourquoi pas, mais désolée, je n'ai pas le projet de déménagement à vous annoncer tout de suite, mais je serai dans les premiers informés si un jour c'est le cas. Tu peux nous faire un retour sur ton vélo électrique. Oh, mon vélo électrique, je le trimballe partout, je l'adore. Franchement, c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée en 2023. Bon forcément là, c'est parce qu'on était dans la saison adéquate que j'ai pris mon vélo tout le temps. Je prends quasiment plus le métro. Je prends le Uber que quand c'est trop loin ou que j'ai la flemme de pédaler. Je suis tout le temps sur mon vélo. En plus, ça me fait bouger. Ça me fait voir des coins de Paris où je vais pas forcément. L'autonomie, elle est top. Ça met pas trois plombes à se recharger. Après, le mien, il est assez imposant, mais franchement, beaucoup moins qu'une Lime, par exemple. Après, moi, le gros truc dont j'ai trop peur, c'est de me le faire voler. Je vous l'ai déjà dit. Du coup, ça c'est un peu chiant, l'histoire des cadenas et tout, c'est pas hyper fluide. Ça demande un peu de temps, genre si je suis méga pressée, je sais que prendre le vélo, va falloir que je trouve un endroit où le mettre. C'est un peu un coup à prendre. Là, je lui ai acheté un nouveau petit panier en osier, trop mignon. Je pense me le faire voler puisqu'il est accroché juste avec des sangles en cuir, genre. J'attends qu'on me le vole, mais j'adore ce vélo. Comment tu arrives à garder ta motivation pour le sport ? Alors, ça m'arrive clairement parfois pas avoir envie, avoir la flemme. Totalement normal. Après, quand t'as habitué ton corps pendant une certaine période et ton cerveau et ton cœur à faire du sport régulièrement, c'est ton corps qui va avoir envie d'aller te balader. T'auras pas besoin d'enclencher la motivation. T'auras envie d'y aller par toi-même. Quand tu sais ce que ça fait à ton esprit et à ton corps, et je dis pas forcément d'aller courir 10 bornes ou faire 2 heures de pilates, tu sais tout ce que ça va t'apporter de positif. T'as envie d'y aller. Enfin, c'est forcément. Je vous avais dit dans l'autre FAQ, il faut trouver ce qui t'anime et ce qui te donne envie d'en faire. Bon, on va s'arrêter là. Ça m'a fait plaisir de répondre à quelques questions. Je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je les lis tous comme à chaque fois. Et je vous embrasse. Bisous!